Français sont, ça c'était notre bonne surprise, c'est que les Français sont conscients, de plus en plus conscients de l'importance de leur sommeil. Et on avait l'habitude de dire que les Français négligeaient leur sommeil, n'y attachaient pas d'importance. Or, les messages de communication commencent à passer. Les Français sont conscients que le sommeil, c'est important. Ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est que l'activité, l'organisation de son activité dans la journée, et notamment l'activité physique, est très importante pour améliorer le sommeil. Et réciproquement, un meilleur sommeil va pouvoir améliorer la façon dont on est performant dans la journée et dont on peut organiser ses activités physiques et intellectuelles. Alors la sieste trop longue, on dit trop longue parce que en tant que sieste, une heure de sommeil dans la journée, ça va perturber le sommeil la nuit suivante. Et le niveau de vigilance baisse naturellement, c'est physiologique, en début d'après-midi. Donc ça c'est normal, ça apparaît chez tout le monde. C'est aggravé, cette baisse est aggravée si on n'a pas assez bien dormi la nuit précédente. Mais la seule façon de récupérer sa vigilance, c'est de faire une sieste. Et si la sieste est courte, de 15-20 minutes, maximum 20 minutes, 15 minutes, à ce moment-là, on va récupérer la vigilance, ça ne va pas perturber le sommeil la nuit suivante, ça ne va pas perturber l'endormissement de la nuit suivante, et ça va être très très efficace pour continuer l'après-midi et la soirée. Donc la recommandation, c'est la sieste de 15 minutes, pas plus.